préparation de noix de cajou à l'étape très artisanale. Donc, je concassais les noix avec les pierres et autres que je faisais à domicile. Et là, lorsque j'ai eu la chance de postuler pour appel à projet, nous avons eu la chance de bénéficier d'un bâtiment et des équipements qui nous permettaient d'améliorer la qualité de notre amande et de mieux présenter le produit sur le marché. Donc, au moment où on n'avait pas encore eu le financement de CTB, on était pratiquement à un sac par an. Mais lorsqu'on a eu le financement, ça nous a permis d'aller à une tonne par mois et environ nous sommes allés à hauteur de 60 tonnes par an. Qui nous a amené à dire qu'est-ce qu'il faut faire, et l'idée c'était de valoriser nos produits de la localité. En 2016, j'ai eu l'idée, je me suis dit en tant que fils de la localité, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour accompagner, pour être utile dans ma localité. Donc c'est là j'ai eu l'idée de commencer par faire ce jus en faisant autre amélioration avec les groupements de femmes. Donc en voulant faire cela, je m'étais approchée de Enabel. Je ne savais pas qu'ils allaient prendre ça au sérieux. Donc lorsque j'ai posé l'idée, ils ont vraiment pris ça au sérieux. Donc 2016, ils m'ont aidé parce que j'avais demandé de m'aider à former les femmes sur le plan régional. Et c'est ce qui avait été fait. Donc après la formation, je n'avais pas du tout d'équipement pour la transformation du jus. Donc j'avais seulement une seule capsuleuse que je passais dans chaque village, et donc j'avais formé 405 femmes. Grâce à Enabel, donc ils m'ont pris en charge l'hébergement, le déplacement de femmes, tout ça là, et on avait fait la formation. Donc l'année 2017-18, nous sommes allés à la recherche d'autres marchés sur le terrain, et on s'est rendu compte que pour la recherche du marché, il y avait quelques structures comme Bénin Cajou qui avait commencé la sortie d'une marque appelée Suite Bénin. Donc pour adhérer à Suite Bénin, il fallait répondre à certaines normes données, certains critères donnés avant de commencer. Maintenant, nous, notre système de fonctionnement avec les coopératives pour chaque village ne nous permettait pas d'avoir accès à l'adhération de Suite Bénin. Donc il fallait alors réfléchir à une autre stratégie. Donc c'est là, j'ai dit, bon, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils m'ont dit, il faut forcément aménager votre centre et répondre aux règles d'hygiène que nous exigeons avant que nous ne vous faisons adhérer. Donc 2017 d'abord, je me suis sérieusement battue, mais ça n'avait pas marché parce que ils se disaient que j'étais très jeune et j'étais plus petite. Donc ils n'étaient pas sûrs de moi pour que je puisse vraiment, parce qu'il faut beaucoup d'investissement dans la chose. Donc en 2017, là, je les ai dit que j'allais les supprimer sérieusement. Donc c'est comme ça, malgré ce qu'on avait, nos peu de moyens qu'on avait, on a produit l'année-là 12 500 bouteilles. Donc quand on a fini les 12 500 en 2018, je me suis battue et j'ai refait le bâtiment parce qu'il fallait un investissement de 3 millions environ. Donc je me suis mis corps et âme, et lorsqu'ils ont senti que réellement on avait commencé, donc ils ont commencé par nous visiter et ils nous ont permis maintenant de commencer avec eux. Maintenant, lorsqu'on a commencé ça, je me suis encore approché de la CTB pour les poser la situation auquel on était confronté. Donc c'est là ils m'ont dit si c'est le cas, parce qu'il y avait aussi la recherche du marché. Comment faire pour adhérer et positionner les produits dans la sous-région? Or il y a la certification et certains critères qu'il faut répondre. Donc il faut alors construire un bâtiment et avoir des équipements qui doivent répondre à ces critères avant de mettre les produits sur le marché. D'où le bâtiment le terrible bâtiment Baobab au Bénin de la transformation de jus de pomme est construit à TSF.
qui a été réceptionné il n'y a pas encore, je pense, un mois. Donc vous aurez le temps de visiter pour voir les merveilles que nous faisons dedans que Enabel A nous a apporté. Que d'autres aussi en connaissent, comme le premier prix du meilleur jeune entrepreneur de la francophonie PPH 2015 sur 43 pays que nous avons pris. Et nous avons aussi eu ce trophée que je pense, madame le préfet, ça lui dit quelque chose. Je suis très heureuse d'être une jeune femme entrepreneur aujourd'hui dans ma localité. C'est une fierté pour moi. Et aujourd'hui, je suis papa, maman, tout de la famille. Donc, puisque personne n'était allé de l'avant, mais aujourd'hui, avec ces accompagnements, tout ceci m'a permis de commencer par atteindre certains objectifs, certaines visions et d'aller de l'avant. La petite là, mais la grande, une grande dame là. Une grande dame, la belle, merci beaucoup. Merci, vraiment. Merci à la belle. Oui. Merci. Pour vous féliciter. Vraiment, vous nous honorez. Avec le prix que je viens de voir, là, c'est d'abord la femme qui est honorée. Oui, ah oui. Encore plus une femme dans ce milieu. Nous savons ce qu'il faut vraiment comme courage pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et franchement, je vous félicite par rapport à ça. Et je vous dis du courage et de continuer dans ce sens.